L'amitié, ça passé. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette nouvelle vidéo. À surtout vous rappeler, c'est la chaîne Watson le Touriste. Cette chaîne qui vous permet le droit de voyager sans bouger de chez vous. Mon nom, c'est Watson Germain. C'est toujours un plaisir et c'est avec une joie inénarrable d'être là pour vous amener jusqu'au fin fond du plaisir. Je salue particulièrement tous mes abonnés. Merci de votre fidélité. Et vous, si vous nous rejoignez à peine, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne tout en prenant le soin de presser sur la clochette afin que vous soyez toujours notifié lors de nos éventuelles mises en ligne. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur la ville Grand-Rivière de la Martinique. Située à l'extrême nord de la Martinique, juste en face de la Dominique. Le village de Grand-Rivière séduit les amateurs d'authenticité qui viennent y apprécier son calme et sa douceur de vivre. Pour y accéder, depuis la côte est, on emprunte une très belle route jalonnée de paysages luxuriants et verdoyants. Une fois arrivé, vous apprécierez à coup sûr le charme pittoresque de ce joli village de pêcheurs. Au bord de la mer, juste à côté du port, vous pourrez admirer la pimpante église Sainte-Catherine. Et non loin de là, en grimpant la ruelle pentue, vous pourrez rejoindre la statue de la Vierge des Marins perchée sur les hauteurs. De ce point de vue, vous bénéficierez de magnifiques panoramas sur le beau et l'océan Atlantique. Et pour se rafraîchir après l'effort, rien de tel qu'un petit tour dans les eaux vivifiantes de la Grande Rivière qui traverse la commune.
les plus sportifs apprécieront quant à eux de randonner jusqu'au village du prêcheur, le long de magnifiques sentiers côtiers jalonnés dents sauvages. Au pied de la montagne Pelée, ce petit bourg de moins de 1000 habitants a des allures de bout du monde. La route qui y mène est surprenante et de toute beauté. Il faut dire que Grand-Rivière se situe à 70 km de Fort-de-France et c'est au cœur du village que s'arrête la route Nord-Atlantique. La plus petite commune de la Martinique est restée longtemps inaccessible. Encadrée par des falaises vertigineuses, la mer agitée et la montagne Pelée
ce petit coin de paradis a su garder toute son authenticité. Pour rejoindre Grande Rivière, vous passerez sur une route qui s'enfonce dans la forêt tropicale. Par moments sinueuse et étroite, la route vous fera passer sur deux points, dont l'un est le plus haut et le plus long de la Martinique. Il surplombe la rivière Potiche et le décor qui l'entoure est d'une étourdissante beauté. Les hautes falaises de Grande Rivière se dressent d'un côté et les palmiers, cocotiers et hautes verdures sauvages offrent un paysage grandiose et dépaysant. Attention, toutefois à la baignade, les courants sont forts et peuvent vous entraîner au large. Il vaut mieux rester près du bord et profiter de cette vue digne d'un décor de film d'aventure. À surtout vous rappeler, la commune de Grande Rivière fait partie de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. Grande Rivière est une commune du parc naturel régional de la Martinique. Grande Rivière est un petit village français situé dans le département de la Martinique et la région de la Martinique. Ses habitants sont appelés les riverains et les riveraines. La commune du littoral de la mer des Caraïbes s'étend sur 16,6 km² et compte 731 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2005. Avec une densité de 44 habitants par km², Grande Rivière a subi une forte baisse de 20,4% de sa population par rapport à 1999. Entourée par les communes Macouba, Le Prêcheur et La Joupa-Bouillon, Grande Rivière est située à 14 km au nord-ouest du Lorrain, la plus grande ville des environs située à 40 mètres d'altitude. Une fois arrivé dans le village, vous pourrez rejoindre le port de pêche et admirer les innombrables embarcations multicolores. Le balai incessant des pêcheurs ajoute à la tranquillité des lieux. Le village, en arc de cercle, autour du port, paraît coupé du monde. Depuis la digue, on peut apercevoir l'île de la Dominique où le film Pirates des Caraïbes a été tourné en partie. Les rues étroites et les jolies maisons font partie du charme de Grande Rivière. Vous pourrez aussi admirer le patrimoine du village. Parmi les patrimoines les plus marquants de la commune de Grande Rivière, on peut citer l'église de Sainte-Catherine d'Alexandrie, datant du XVIIe siècle.
marcher en pile, pour y marcher en pile, pour que nous arrivions dans pointe nord Martinique. L'île là pas gros certes, mais il y a un pile route, un pile infrastructure. Pour arriver là, un pile coup de patte, surtout si vous sortez dans la capitale là, ou du moins si vous sortez dans le sud, là où on a vu le province. Et là, nous avons vu ce travail sur le site là, il y a un pile bel travail qui fait là, mais ça va empêcher que. Et en pile de dépenses qui fait là. Si nous regardons et pour là, nous avons pratiquement fait un bel travail. À la minute qu'on arrive là, nous sommes capables de dire que nous là, la Martinique finie. La Martinique finie, pratiquement, si vous regardez en face, c'est l'autre île là, c'est par la Dominique. Et comme vous là, c'est pratiquement fait territoire, je dirais terrestre, de la Martinique. Je veux dire maritime. Je ne dis maritime parce que je ne pas vraiment une délimitation maritime. Même qu'on est que en ce qui a trait à territoire terrestre, c'est pratiquement la fin de la Martinique, surtout dans le point nord. Là, et commune Salirele, Grande Rivière. Et c'est un honneur pour que je me démène tout abonné, Chanel Watson, le touriste, pour que nous connaissions que c'est un Chanel qui permet au moins de voyager sans qu'on va bouger. Sur le canapé la gaou. Salon, dans le salon, sur le cabane, quelque chose à côté, pour avoir accès à moins de l'eau, pour qu'on n'y a pas oublié que nous sommes en Martinique, l'une des petites Antilles, nous avons dit département ou territoire d'outre-mer de la France, et nous devons montrer au point nord, à côté Martinique fini, dans le point nord, là, ça fait que nous venons aujourd'hui dans la commune, dans la rivière, qui a facilité au moins. Ouais, on a fait là, pas de temps encore pour que nous continuions à courir. C'est demi-tour pour faire. De vous arriver dans le point nord là, c'est la rivière et c'est la fin de la Martinique, surtout on a parlé de voie terrestre. Dans phare maritime dans pointe nord là c'est pratiquement phare ça qui guide pêcheurs qui guide bateaux yo bateau qui a sorti Dominique qui a sorti dans l'autre île depuis avant d'entrer dans pointe nord là c'est phare ça qui pour guider yo tout le monde connaît ça comme phare mais pratiquement c'est les mêmes tout qui bail piste là pour montrer vraie direction pour rentrer dans la commune ça qui c'est Grande Rivière
dernière commune dans Pointe Nord sur l'île Martinique qui a une tendance qui est surnommée l'île aux fleurs. En fond, si vous regardez la configuration, hein? C'est pour ça Pointe Nord, Martinique, dans l'île Camille. Ici s'achève cette vidéo sur la ville de Grand-Rivière. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec l'espoir que vous avez pris le soin d'apprécier toute la beauté de cette commune. Et je vous rappelle que mon nom c'est Watson Germain, la chaîne c'est Watson le touriste, la chaîne qui vous permet le droit de voyager sans bouger de chez vous. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, n'oubliez surtout pas que je vous adore tous, de fol amour.